Ah bah mon vieux, t'as la forme. Parle-en à mon patron, il me croit périmé. C'est vrai qu'à nos âges, on nous considère souvent comme bons achetés. Ah, qu'est-ce que tu veux y faire? Mais non, vous n'êtes pas trop vieux pour être encore performant au travail. En France, seulement 42% de la population des plus de 60 ans est encore en activité. Pour la CFE-CGC, assurer l'employabilité et l'insertion des seniors dans l'emploi doit passer par trois axes. La santé des salariés, pour avoir la capacité de travailler. Reconnaître les facteurs de risque psychosociaux comme facteurs de pénibilité que l'entreprise devra prévenir. Renforcer le suivi médical des salariés. Incorporer une obligation d'évolution d'emploi pour les postes pénibles. Faire évoluer les conditions de travail en fin de carrière, télétravail, congé ou RTT supplémentaire, semaine de 4 jours. Les compétences et l'attractivité de deuxième partie de carrière pour augmenter le taux d'activité jusqu'à l'âge légal pour partir à la retraite. Encourager l'accès à la formation des seniors et plus généralement de tous les salariés après 40 ans. Réaliser un diagnostic professionnel tous les 10 ans. Favoriser les transitions professionnelles. Moduler les cotisations chômage et les cotisations retraite afin d'inciter les entreprises à garder les salariés en poste jusqu'à la retraite. Mieux prendre en compte les seniors dans les négociations d'entreprise. Mettre en place dans le service public de l'emploi des prestations spécialisées pour les seniors. Développer le mécénat de compétences. Les transitions douces vers l'inactivité pour donner de la souplesse à la gestion de la fin de carrière et mieux l'organiser en fonction des contraintes et des envies de chacun. Favoriser l'activité partielle après 60 ans. Contraindre les entreprises à permettre l'activité partielle dans le cadre de la retraite progressive. Alors, vous êtes en bout de course ou pas? Sûrement pas. Allez, c'est reparti pour un tour. CFE-CGC, restaurer la confiance.